Merci à tout le monde d'être là. Qu'il arrête de manipuler son téléphone. Tous d'être venus. C'est la première fois que j'ai entendu dire que on ne me voit pas beaucoup, c'est normal, j'étais à la cam. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de se voir. Et j'ai apprécié l'initiative de cette rencontre.
qu'on se voit, qu'on puisse se connaître un peu mieux et que qu'on prépare l'avenir, quoi. Voilà. Merci. Merci à tous d'avoir fait le chemin jusqu'ici, d'être là et pour donner la main pour l'événement de demain. Merci beaucoup. On va sauf que parti et ça va sortir comme ça va. Merci beaucoup. Au niveau de la cour centrale avec nous. Merci. Nous devons faire la sommeil.
Le moment venu, nous allons devoir nous mettre debout pour réfléchir parce que nous sommes ici dans une chefferie de troisième degré et qui se trouve être le théâtre. Aujourd'hui, nous parlons de la chefferie Le Pau et de l'administration. Donc, dès que les. Je suis un peu plus de temps.
Le pont vient d'être salué par le
et faut la suivre en troisième position. Et puis on se cerne ma fondant. Et on se cerne à le pont de la cérémonie pareil, juste parce que j'aime mon public et j'aime voir s'ils vont toujours respecter les conseils que je les ai prodigués. J'irai de constater que les gens sont venus par le Cameroun pour assister à la sortie de la campagne de Fontop. Dès que je me rends heureux de commencer par remercier cette population, je leur dis merci d'avoir assisté. Je les prie, je leur dis une fois de plus merci d'avoir honoré la demande de notre confrère ici. Je fais comprendre que quand une autorité vient dans une localité, c'est des cérémonies de ce genre qui veulent bien apprécier le caractère de son peuple. Je vous dis une fois de plus merci pour l'honneur que vous avez fait à ce que le sous-préfet puisse tirer un grand profit de sa carrière à partir de notre village. Je voudrais dire à François merci une fois de plus parce que souvent on peut nommer quelqu'un comme chef de son village, il dit que c'est sa famille. C'est pour lui seul.
Il est resté, il a pensé qu'il est entre là comme il fallait lui se remettre ces gens pour que les gens puissent comprendre qu'ils ont mis un enfant quelque part qu'il faut souvent regarder comme a déclaré le prince, que c'est la germe, la graine qu'ils vont bien arroser. Que je suis fier de vous, de cette cérémonie. Pour profiter, transiter, dire à leur population, ma faux fils photo, d'avoir pris leur fille, leur frère, on a dit notre premier secrétariat, le père, le fils, leur frère, en main et en charge. Je lui dis grandement merci. Et après, je voudrais me retourner auprès de nos mamans et prier l'assistance de me permettre d'aller en notre langue vernaculaire. Mia pa, oh mia, ngwesu, ngwengwa, ante le po, ante le fon tsim tsim. Ngwengwa ponga, angishi na, tse tume le po pa, angishi e pere ntinte. Ningwuti, ami, anu, ato me fashi, le fonsop mpele ta rapa, an krange ya, a tule, a pante le fonsi. Nse a kuma, a shingwa, mpele 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 ta rapa, nijwa, ene mumbo yipe, fonsop, le George. Et il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Et quand ma toi, il me dit, je vais le faire. Et puis je vais le faire. Je vais le faire. Faut que ce soit un gros outil, non, y a oui. Mais il faut le pour un petit peu. Après, on dit, par le suivant, on se laisse un contenu pour. Et tu poses au père pour que tu aies un gros. Beaucoup de temps, c'est le pont. Un peu de temps, donc, moi, je suis là, il faut qu'un tour. Regarde, donc, moi, je suis là, mais tu sais, je suis là, on voit à tout. Mais toi, toi, au Seigneur. On tombe même jour, au pire, j'ai tombé pour chercher une belle. Moi, ça me mia pas, puis père, pour pire là. Faut que ça passe au moment où est. Et que tout n'est pas père, tout là. On s'en est mia oui à père, à zire tout, ami. Le vin, nous te mettons pas à jour là, mais tu peux faire quand, mais la cour est. Mais qui nous dit, nous m'envoie ça. Mais toi, moi, ça me dit, mais nous sommes père, tout là. Ma angolingue, à père, ça, mamie. A oui, nous sommes père, tout. Montez-les le rôle pour grand. On doit le prendre grand. Le père pour vous est chez l'air, mais le commun s'en est rangé de père couteau. Avec un poil dans le taquet. Mais je suis aimé, il faut se remettre en train de faire. Vraiment, vous devez. Allez, vous me devez, vous devez. Vous devez faire ça pour que vous ne soyez pas là. Avec un singe, je vais vous souvenir de l'âge. Votre jour ne force pas. Vos jours ne sont pas chauds. Vos jours n'ont qu'un temps de jour. Amen. Mon corps, je me suis dit que 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 je me suis dit Une fois deux personnes, ma belle Funga, à nous dire ça pour nous tous, à nous aussi pas de force, on perd tout, perd trop de soutenir, avec tout un fond de zazo capantos pour me dire, pourquoi tant de gens, pas voilà. Mon moment pour une salle de tête, ça ne m'y a pas. Une seule personne, j'ai ma tombe, mon jeune ami, à l'imper de ta rapa, mais surtout de mon cri de réservoir. Non, de repère, on bombe, on va avoir sa même force de ton pétronia. Ma vie, ça ne me font pas. Oh, on se met à mettre à fond. Gonzem, Sa Majesté le chef supérieur du groupement Bafou, Leur Majesté, les chefs traditionnels de troisième degré, M.
Monsieur le président du comité d'organisation de cet événement, élite intérieure et extérieure du groupement Bafou, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, chère population, mesdames et messieurs, c'est un réel honneur, doublé d'un plaisir immense, de prendre la parole ici ce matin à l'occasion de la double cérémonie de sortie du lac Kam et d'installation officielle de Sa Majesté Montardon Mont-Georges Clément, chef traditionnel de troisième degré du village de l'Épaule dans le groupement Bafou. En ces circonstances particulières, qu'il me soit permis d'abord de rendre mes civilités non seulement à tous ceux qui m'ont précédé sur cette tribune pour leurs paroles aimables à mon endroit, mais surtout à vous tous qui avez effectué le déplacement afin d'écrire avec nous la nouvelle page de l'histoire du village L'Épaule. Je voudrais continuer mon propos en félicitant chaleureusement le président du comité d'organisation et toute son équipe pour le travail bien fait, malgré les obstacles auxquels ils ont fait face. Comment ne pas remercier du haut de cette tribune, avec toute la solennité possible, monsieur le maire de la commune de Conzem, pour le reprofilage en urgence du tronçon routier qui mène à cette chefferie. Toutes choses, monsieur le maire, qui traduit non seulement votre détermination à développer cette municipalité, mais surtout votre attachement à cette chefferie. Mesdames et messieurs, chers invités, la chefferie L'Épaule où nous nous trouvons en ce moment a été créée officiellement le 29 juillet 1986 par arrêté préfectoral numéro 593-AP-F.34-SP avec pour tout premier chef officiellement homologué Sa Majesté Mota Richard qui régna de 1986 jusqu'à son décès le 26 juin 2014. Le 12 juillet de la même année, suite au dépouillement du testament du défunt chef, le trône de L'Épaule sera confié au jeune Montandon Mont-Georges Clément et les notabilités coutumières consultées le 19 décembre 2014, conformément aux dispositions du décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977, vont entériner le choix du défunt à l'unanimité. D'où l'homologation de la désignation du nouveau monarque par arrêté préfectoral numéro 023-AB-F.34-SAAJP du 22 janvier 2015, dont lecture vient de vous être donnée. Distinguée population, mesdames et messieurs, qui est l'homme que nous installons aujourd'hui à la tête de la chefferie L'Épaule? De son nom, Montandon Mont-Georges Clément, il est né le 26 février 1981 à Bafoussam, de feu Mota Richard et de Zébazé Marie-Thérèse. Ses études primaires, secondaires et universitaires seront sanctionnées par l'obtention respectivement du CEPE, du BEPC, du probatoire, du baccalauréat série C et d'une licence en physique obtenue en 2007. Titulaire d'un BTS en maintenance des systèmes informatiques et réseaux obtenu à l'Institut supérieur de technologie et du design industriel, il couronne sa formation en se faisant reconnaître comme ingénieur des systèmes et réseaux Paris en France.
Très ambitieux et assoiffé des connaissances, il fera plusieurs stages de formation tant au Cameroun qu'à l'étranger, et plus précisément en France, avant de servir dans quatre grosses structures françaises. Aujourd'hui, ingénieur en informatique, il est depuis le mois de septembre 2016 chef de projet R&D, M&D, Valeur des Mass Systems en France. Parfait bilingue et amoureux du volleyball, il est membre de plusieurs associations et illustre militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ouais. Chers invités, mesdames et messieurs, vous constatez avec moi que l'homme du jour a une tête bien faite, car nanti des diplômes de grande valeur et dispose de solides connaissances professionnelles et académiques. Par conséquent, il présente les atouts et les potentialités requis pour être à la hauteur de la tâche qui lui incombe. D'ailleurs, qu'en 2 ans de règne, bien que moins stable au Cameroun, il a déjà posé des actes remarquables qui augurent un lendemain meilleur. Sa Majesté Mota Domo Georges Clément, je n'ai plus besoin de vous rappeler que vous êtes désormais auxiliaire de l'administration, c'est-à-dire nos yeux, nos oreilles et même notre bouche dans votre village. En tant que tel, et au regard du fait que les chefs traditionnels homologués bénéficient déjà des allocations mensuelles, les exigences seront plus accrues et aucune défaillance ne sera tolérée. À cet effet, j'attends de vous plus de collaboration, de disponibilité et surtout la présence effective au poste. Majesté, vous ferez des efforts, malgré vos charges professionnelles, à accorder du temps à vos fonctions de chef traditionnel. Soyez présent et actif, Majesté, car la nature a horreur du vide. Suivez mon regard. Évitez le commandement traditionnel par Internet. C'est vrai que vous êtes ingénieur informatique. Et c'est vrai aussi que vous pouvez donner des ordres par téléphone. Mais il est impossible, excusez-moi de l'expression, d'ouvrir l'écran par le même canal. Dans le même registre, mesdames et messieurs, Majesté, vous êtes le garant de la sécurité des personnes et de leurs biens dans votre village. À cet effet, je vous invite une fois de plus à redynamiser vos différents comités de vigilance afin de barrer la voie aux malfaiteurs de tous ordres qui sèment la panique dans la localité. L'ordre, la discipline et la paix sociale doivent régner. Pour ce faire, vous devez vous investir dans la dénonciation des cultivateurs et consommateurs du chanvre indien qui font la loi de l'insécurité dans notre arrondissement, malgré les efforts inlassables des forces de maintien de l'ordre. À titre de rappel, Majesté, vous vous attellerez à l'intensification de l'opération d'hygiène et de salubrité afin que vos populations vivent dans un cadre sain, c'est-à-dire à l'abri des maladies. Majesté, dans le souci d'anticipation et pour éviter certaines surprises désagréables, je vous soumets à l'obligation de compte rendu en vous exhortant à me signaler tout fait digne d'intérêt et à temps. En guise de conseil et en force de recommandation, je vous invite à respecter les dispositions de l'arrêté de création de votre village et précisément en ce qui concerne ses limites. Dans l'exercice de vos pouvoirs, gardez en esprit et en priorité
les relations de bon voisinage en vous limitant dans votre territoire et rien que dans votre territoire afin de préserver l'entente et la cohabitation pacifique entre vos populations et celles des quartiers et villages environnants. Je vous recommande aussi à vous soumettre traditionnellement sans murmure ni hésitation à l'autorité de Sa Majesté Fondong Kanatrua, roi des Bafou, chef supérieur de votre groupement, votre hiérarchie traditionnelle, avec qui vous devez travailler en étroite collaboration dans l'œuvre de développement de Bafou dans son grand ensemble. Il n'y a pas de chefferie de troisième degré autonome, à ma connaissance. Tous les chefferies de troisième degré ont un point de rattachement qui est dans notre pays, les chefferies supérieures. Vos rapports doivent être blancs comme neige et n'hésitez pas de vous ressourcer auprès de Sa Majesté Fondong en cas de difficulté ou d'embarras. Son expérience et ses riches conseils vous aideront. Je me retourne à présent vers les notables qui méritent d'être félicités et encouragés. Vous avez manifesté votre fidélité ainsi que votre loyalisme envers le défunt chef en respectant ses dernières volontés. Le geste fort évocateur consigné dans nos archives reste l'acte par lequel vous avez entériné à 100% le successeur testamentaire lors des consultations coutumières du 19 décembre 2014. Vous n'avez pas joué au notable dangereux. Dans la coutume babiléke, vous êtes les plus proches collaborateurs du chef, dont ses conseillers. En tant que tel, vous devez jouer votre rôle et rien que votre rôle à ses côtés. Montrez-lui le bon chemin et sachez que vous êtes comptable de ses prestations. Son échec ou son succès vous incombe en premier. Mais ne profitez pas de cette prérogative pour le prendre en otage. Il est le chef de tout le monde et ne sera la solde de personne. Pour tout dire, je vous demande d'encadrer votre chef dans son œuvre de développement socio-économique, culturel du village, sans condition. Je vous prescris donc fidélité et soutien indéfectible à son endroit. Ô prince, princesse toute génération confondue, ainsi qu'à tous les membres de l'équipe formée par le défunt chef, je vous exhorte à créer une union sacrée et solide autour du chef, qui, pour réussir, aura besoin de l'apport de tous et de chacun. Aux vaillantes populations du village de Lepo, je recommande un soutien multiforme et sans faille à votre jeune chef dans l'accomplissement de ses missions. Sachez tirer profit de ses connaissances, de sa jeunesse, synonyme de vigueur, et de son profil très rassurant pour les chances de développement de votre village. En ce qui me concerne, Majesté, soyez rassuré de ma totale disponibilité, car vous trouverez toujours près de moi toute la collaboration nécessaire à l'exercice de votre lourde et délicate fonction. C'est dans l'espoir de voir ce village dans la prospérité que tout en vous souhaitant plein succès dans vos nouvelles fonctions de chef traditionnel de troisième degré du village Lepo, que je vous déclare officiellement installé ce samedi 19 novembre 2016 pour que vive le village Lepo, le groupement Bafou, l'arrondissement de Kongi, le Cameroun et son illustre guide éclairé, Son Excellence Paul Biya. Je vous remercie. Nous sommes bien-nés, la valeur attend pour le nombre d'années. Nous allons vous introduire très majestueusement le chef du village Lepo, j'ai nommé Fotomo Tadomo Georges, pour son discours de prise de pouvoir. Sa Majesté, je vous en prie. Non,
Chers invités, le 12 juillet 2014, sur cette esplanade de la chefferie Le Port, j'ai été désigné héritier de celui qui, jusqu'au 26 juin 2014, présidait aux destinées de ce village. Selon nos coutumes, il fallait entamer une période initiatique. La période initiatique étant le LACAM, avant toute activité inhérente à mes fonctions de chef. Aujourd'hui, nous célébrons l'achèvement de cette période. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Je vous adresse mes salutations chaleureuses pour votre présence à cette occasion. Je remercie particulièrement Monsieur le sous-préfet de Corny pour les précieux conseils qu'il m'a prodigués sur la collaboration entre l'autorité administrative et un chef traditionnel. Je remercie également Sa Majesté, le chef supérieur du groupement Bafou, Fort Don Kana, sa cour qui, dans le domaine traditionnel, ont toujours été présents lorsque j'avais besoin de recevoir des conseils. Chers invités, à compter d'aujourd'hui, je rentre officiellement dans le giron de la chefferie traditionnelle, domaine dans lequel je dois apprendre, en dépit de l'initiation reçue pendant mon séjour au LACAM. Mon père, Feu Fortop Mota Richard, que vous avez tous connu, aimé et respecté, dans le document qui me désignait successeur, souhaitait que le nouveau chef, je cite, soit une symbiose heureuse entre la tradition et le modernisme. Tenant compte de ses voeux, face à mes propres attentes, je compte donc placer mon règne sous le signe du développement et de l'innovation. Cela consistera pour moi à consolider déjà et avant tout la grande famille Fortop, à réunir le village, à sensibiliser les élites sur nos activités, à mobiliser les populations afin de redynamiser notre comité de développement en vue, entre autres, de réhabiliter notre école publique, certaines voies qui ont encore besoin d'être travaillées. Dans cette perspective, je tiens au cours de cette cérémonie à saluer, à encourager devant vous des initiatives telles que les forages réalisés par Marc Feu, par Nkum Lukwet, par François Djonko, dans ce village. Pour que ces exemples ne restent pas isolés, j'invite les fils et filles de ce village à se joindre à moi pour qu'ensemble nous accomplissions les tâches qui permettront de conduire, le village Le Pont sur le chemin d'un développement durable. Une fois de plus, je vous remercie, vous tous et toutes, d'être venus rehausser cette cérémonie par votre présence. Merci. Sentez-vous heureux de l'avoir écouté les premiers. Tout à l'heure, le sous-préfet dans son... Thank you.
De savoir quelles sont vos impressions au sortir de cette cérémonie, ou combien importante. Ben, mes impressions sont des impressions de joie et de satisfaction. Après
plusieurs mois de travail à l'organisation. Ce sont des mois difficiles de structuration d'équipe, de motivation des personnes. Aujourd'hui, on arrive au résultat du travail. Donc, je pense que tout le monde est satisfait du travail qui a été effectué. Et tout le monde est parti d'ici, à mon avis, content de la cérémonie à laquelle elles ont assisté. Bien, vous avez vu à la grande cour combien la population s'est mobilisée et quel est le message que vous adressez à tous ceux qui vous ont soutenu pour l'événement. Déjà, pour tous ceux qui m'ont soutenu, je leur adresse mes remerciements parce que quelque part, ils ont contribué à l'éclat de l'événement. Par rapport à la population, je leur adresse également les remerciements par rapport à la mobilisation qu'elle a apportée en étant présente. Et également un message d'invitation à l'action pour la population. Parce que le chef est sorti, ça veut dire que peut-être c'est aussi le début du travail. Voilà, merci. Et hier soir vous avez eu à accorder des audiences aux fils et filles Le Pont et également à votre conseil de notables qui vous ont prodigué des conseils, qui vous ont fait part de la situation, la manière avec laquelle ils vivaient. Et étant donné que vous effectuez vos premiers pas dans le règne, dans ce cercle, quel est le message que vous adressez aux filles Le Pont et quel est le message également que vous adressez à vos notables par rapport à tout ce dont vous avez posé hier? Le message est un message d'unité. Unité déjà dans la famille Fotop, unité dans le village Le Pont et un message de construction parce que nous avons beaucoup de travail à accomplir pour amener notre village dans le développement. Voilà les messages clés. Je compte m'inscrire dans cette voie vers le développement du développement de notre village. Voilà. Et ça veut dire que sous quel thème est-ce que vous placez votre règne? Sous quel thème? Mon mot-clé par rapport aux populations, c'est d'agir pour eux en tant que facilitateur et catalyseur. C'est-à-dire sensibiliser toutes les populations, toutes les élites, recenser tous les projets de développement et aider à structurer, quel que soit le projet de développement, il ne sert à rien de chercher à courir. Parfois, s'il faut d'abord passer par les étapes, il faut marcher, ramper, faire les premiers pas, parfois tomber, marcher avant de chercher à courir. Donc, facilitateur et catalyseur, développement sur tous les axes possibles. Voilà. Un mot en dialecte alors. Oui, certainement. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Majesté. Merci à vous. Merci bien. Si vous voulez. Ils m'ont sorti de cette cérémonie. Déjà, merci de l'opportunité que vous donnez à la chefferie Le Pont de s'exprimer à mon nouveau vision. Je suis Mota Serge. Donc, il y a un angle qui est fort, mais il y a un angle qui est fort. Il y a un angle qui est fort. Il y a un angle qui est fort. Le sentiment est un angle qui est fort. Le sentiment de joie est un angle qui est fort. Il y a 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 un reconnaissant qui est fort. Il y a un angle pour faire la pour comme vion tout forme la chez une torte et une paix torte et work le port grand con musée pour bien beaucoup donc c'est bon mati voilà oui
malem rachouni mais moi pour chaque mi pour pire pour bonge pour toujours jouer pour une race toujours ils ont torté ils n'ont pas pour ils n'ont pas un wang on a mis le pour pas un bon deux un bon top pas un bon espérer là moi pour chaque mi ouais mais ça ok tout ça mais les bons continuer ils n'ont pas il faut être bien père alcool la zim père le pauvre il m'a fait son bon il a non là donc bon grand bon père à chaque fois.